Qui a gagné le carréton VIP in Versailles? Et moi j'ai fait top 2. C'est que Farès et Abdel, tu l'arrêtes ou pas? Actuellement, faut pas qu'il me... Enfin... Mon perso est trop fragile, là. Genre, je pense, elle apprend que Farès, c'est Abdel actuellement, là, c'est... Si je veux parler RP, je pense que... Attends, elle va être au bout de sa vie, la pauvre. Hein. Désolé, les copains. Ouais, ça le tient. Attends, c'est où déjà le... l'hélico? J'ai pas beaucoup construit, hein, c'est pas grave. NP. Mais wesh! C'est trop dur de jouer avec des bambax, hein. Allez, on s'en va, mon pote. Point faible, trop nul, hein. Marché, waouh. Sorry. Il a pris tout le build, dommage. Iriri. Je sais pas gérer un hélico, je le prends jamais l'hélico. En fait, je joue jamais en... Ouais, si, je joue pas mal en MM en fait. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué déjà. À part pour le carréton VIP. Et je vous avoue que l'hélico, enfin les trucs comme ça... Oh là là, on a deux bambax en fight. Qui a gagné le carréton VIP in Versailles? Et moi j'ai fait top 2. De quoi carréton VIP? Comment ça j'ai eu quoi? Ah j'ai eu 3000 euros. 3000 euros les bros. Mais l'équipe Night Never a été pas équitable sans se mentir. Ah oui clairement, mais bon ils ont joué le jeu les gars. Hein. Doig il a dit de faire ça, ils ont oublié quoi. Enfin genre, ils y sont pour rien tu vois. C'est plutôt la faute de Doig tu vois. J'aurais dû mettre des règles supplémentaires. Mais c'est vrai que ouais, c'était le seul duo qui était vraiment abusé. Après, Never Say Yes, la première session, il a fait top je sais pas combien. Hein. Mais bon, ça veut rien dire aussi. Il y a des jours bons, des jours mauvais. De base, Never Say Yes est quand même très très chaud. Genre, il a jamais arrêté le jeu ou quoi. Nous, enfin moi personnellement, de mon côté, j'avais arrêté le jeu pendant 5 mois avant là. Hein. J'ai repris il y a même pas un mois et encore, en un mois, je joue à peine. Je joue pas énormément au jeu. Là, par exemple, j'avais pas joué pendant 3 jours et tout, tu vois. Pas nous, Juliette. Mais c'est vrai. Les facts sont vrais. Genre, je joue tout le temps en stream. Je joue jamais hors stream. Et on peut pas dire que je joue beaucoup à Fortnite. Après, là, je reprends le jeu. Là, je commence à vraiment rejouer au jeu. Bon, pas cette semaine. Mais. Et voilà. En ce cas, de la polémique de Never dans carréton VIP, bah, je trouve que c'est pas très cool pour lui. Genre, lui, il a rien demandé. Pour le coup, il a juste joué au jeu, quoi, comme tout le monde. Et il a été invité, on devait choisir notre duo, il a choisi son duo, quoi. Je crois qu'il y a deux colis, là. Les gens vont jouer le colis, on va aller jouer les colis. Vas-y, je suis la pire joueuse du monde. J'arrive pas à jouer, hein. C'est grave. Bref, on va tryhard le jeu là parce que ça va plus. Chaque pause, c'est un supplice quand je reprends le jeu. Mais c'est des bots, frérot, je comprends pas comment je tombe avec des gens comme ça. Peut-être ma mini-pause, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont remis les MMR à zéro, je sais pas. Mais c'est vraiment des bots, genre. Et si je joue qu'avec des bots, je vais commencer à jouer comme une merde parce que... Tu sais, quand tu sais que les gens en face sont nuls, tu joues mal. Enfin, tu joues plus mal, quoi. Ta vie, je m'en fous, les gars, vu le level d'en face. Pas se mentir. Hein. Pas bien grave, hein.
Donde están el pueblo? Donde está? Oh, merde. Oh, j'ai pas fait d'effort là. Ils sont où les ennemis? Et Gromy, c'est quoi ces joueurs en face? Wow, putain, je suis trop contente, j'ai fait une super game. GG. On a été fort. Une question, Ars, un rapport avec Ads? Aucun rapport.